Hey, salut tout le monde, c'est Tanduhan4 à Pixel Family. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou plutôt la partie numéro 2 de l'épisode 3. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo numéro partie 1, faites-la avant. Sinon vous n'allez pas comprendre au déroulement du jeu. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Et je vous laisse profiter de la vidéo. Allez, à plus. À nos animaux, les meilleures conditions de vie possibles. Donc, en plus de gérer des créatures éteintes et revenues à la vie, il va aussi falloir jouer les jardiniers. Mais c'est trop bien. Ah, tour jurassique, je ne dis pas plus. Faut savoir. D'accord, oui. Non, c'est très très bien. Par contre, on débloque ça où déjà? J'ai pas fait gaffe, on débloquait. Ah, c'était une recherche. C'était une recherche. Ce n'est pas une recherche. Ah, mais j'ai pas lu au botanique en plus. Hein. Ah, mais très très bien. Bon, ça speed. C'est très très bien ça, ouais. Une serre. Et par terre supplémentaire. On a déjà deux plantes, de la mousse et de la paléomangeoire pour petits herbivores. Bois putréfié. Du conifère, hein, de la prêle. La ciminier trumulie, la cica, palmier, cinco, je connais pas. Paléomangeoire pour grands herbivores. Fougère abondante, graminée. Ok. Et bah c'est génial. La serre. Oh. C'est d'une beauté. Contraint du terrain, mais tu te fous de moi? Pas de contraint du terrain. Vivement qu'il l'améliore ça. Attends, on va supprimer ça vite fait. Ça passe là, quand même. Ah, j'ai vu que ça passait, hein, honnêtement. Ça passe, en effet. Nickel, nickel, ça c'est bien. Par contre, dès qu'on a besoin de deuxième centrale, non, pour... Ouais, c'est ça. Oh, ça fait bizarre. Cultiver une plante. Bon, bah, la mousse. Cultiver des mousses dans les serres pour pouvoir remplir les paléomangeoires. Lorsqu'il consomme cette plante, il sort de la liste. Plante préférée et bénéficie d'un bonus de prestige et d'espérance de vie. Évitez de placer une plante dans un enclos abritant des arbres appartenant du groupe nocif pour... Ah, pour les triceratops, c'est gonodon... En fait, c'est juste pour une aqua, ah, ouais, d'accord. Et là, on va faire pareil là. D'accord. Bah écoute, on va voir ce que ça donne. Oh par contre, j'ai fait un... Non mais sérieux, le terrain, c'est pas si compliqué que ça à faire dans les jeux. Regarde ce que ça me fait un truc tout droit là.
Par contre, ce que je veux savoir, c'est que si on met de la culture, des cultures dedans, est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Non, on fait comment? La mousse. Ah non, peut-être qu'on doit aller là-dedans. Ouais. Choisir la plante des plantes. Ça, c'est censé être bon pour les... On va mettre ça alors. Ok. Juste savoir si les par exemple les ankylosaures, imaginons qu'ils aiment pas, j'ai pas fait gaffe, mais s'ils aiment pas les le bois, est-ce qu'ils vont manger quand même ou pas? Du bois putréfié. C'est ce que je veux même savoir. Sinon ça peut être débile. Je n'ai aucune idée par contre. Hein. On a déjà ça change l'apparence. Maintenant on va voir Triceratops, il est content non je pense. Je sais pas. D'accord, mais les ankylosaures pour là. Ça dérange pas le bois ou... Je sais pas. Il demande de recherche, on recherche des prêles. Ah, il faut rechercher les prêles. On va rechercher les prêles maintenant. Comme par exemple, c'est le dernier truc que je prends. Mais... Ah, ça sent du temps. Voilà. Archive. Plus botanique. Mais c'est vraiment pas ce que ça va donner. Oh, ça a l'air de chercher ouais, en tout cas ça. Ah, du coup, ça, eux ils sont bien. Oh, c'est un peu plus galère à faire. Il faudra faire très attention aux deux. C'est pour ça qu'ils ont toujours laissé les mangeurs normales si on voulait mélanger plusieurs espèces. Un cultiver les plantes nécessaires dans la serre. Définir quelques plantes seront proposées dans les plantes du mangeur. Nous allons pouvoir cultiver des plantes ayant existé à la même époque que ces herbivores. Ils se nourriront comme il y a des millions d'années. Une fois ces plantes à maturité, placez-les dans une mangeoire paléobotanique. Tu fais. Il nous faut en faire... Ah, donc il faut faire de l'assimilétrie au blé, là. Il est prêt, là. Il est prêt, c'est où les prêles, celle-là, les prêles. Voilà, on va juste attendre. Toi. Toi, qu'est-ce que je te mets, alors, hein? Choisir la plante. Ok, bah toi alors. Ok. Donc toi ce sera plutôt les inculteurs qui rentrent dessus. Nécessite quoi? Ah t'es que je t'ai pas mis. Je vais faire la plante. Confirmer la sélection. Voilà.
Mais j'ai défini la plante depuis tout à l'heure en fait. C'est pas étonnant, hein, j'avoue. Choisir la plante, non, il me saoule. Ah voilà. Voir ce que ça donne. Ah oui, sympa par contre. Pourquoi il aime pas? Non mais c'est pour justement les sarotoxiens. Non pas c'est bon contenir un genre bois protégé de la mousse, alors la mousse plus des détails, modifier la mangeoire, on va enlever la mousse. Du coup, en fait, celle-là, on n'en a pas besoin. Elle va un peu plus vite parce que là... Pff. Nickel. Maintenant que nous avons les plantes, nous devons trouver le bon équilibre nutritionnel pour chaque animal. Si nous nous y prenons correctement... Bien, ça tu sais, un chien. D'accord. C'était une panne de nourriture saine et me gavait de verdure. Je trouvais ça infâme. Inutile de préciser que mon mariage n'a pas duré longtemps. La morale de l'histoire? Donnez aux dinos ce qu'ils aiment manger. Point barre. Et pour ça, ils sont chiants. Nourriture. Non, imaginons. On va leur mettre cela. Faut placer le principal. Qu'est-ce qu'il aime? Choisir une plante. Attends, qu'est-ce qu'il aime déjà? Les prêles, d'accord, on va lui mettre les prêles alors. Mais pourquoi il ne demande pas aussi? Attends, t'as deux mangeoires à remettre. Voilà. Choisir une plante, donc prêle. Après, on va mettre ouais on finit cette mission là et puis après je pense que la vidéo sera assez longue. Non c'est ça que je vais faire. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Ouais. Mais par contre, y a-t-il des dinosaures qui se sentent pas bien avec la peau de Badali? Oui. Ah, et Triceratops toujours pas. Hein. Pourquoi? Je sais pas, mais... Non, mais normalement il doit être bien là, il devait être content. Non, mais je vais tous les faire. J'aime bien ça, non? Je sais pas comment on fait pour... Les dinosaures bénéficient du bonus de prestige et d'espérance de vie si leur régime alimentaire leur convient. Plus un dinosaure se nourrit de plantes préférées, plus le bonus est important. Un dinosaure en famille n'obtient aucune bonus et la consommation de nourriture, donc s'il faut s'en sortir, entraîne la pénalité. D'accord. D'accord. Prends Triceratops.
sélection de plantes doit répondre aux besoins des animaux présents dans les enclos. Je n'ose imaginer ce que vous ferez subir un dino mécontent. Quoique, si, j'imagine très bien en fait. Mais toi, tu te plais? C'est... Enfin, le but, c'est que tu te plaises. L'autre, mon joueur. Celle-là, je risque de la modifier. Mais non. Ouais. Je pense que s'il faut attendre. Je suis pas sûr. Je n'ai pas la moindre idée. On va finir déjà par là. Alors. J'adore les prêles, la mousse. C'est pour ça que je lui ai mis... Ah non, attends, mais non. Non, les prêles en 1. C'est de la mousse, et voilà. Ah, bah t'as plus de forêt toi. Un arbre près, d'accord. On va se les mettre nous-mêmes les arbres. T'es content là? Je t'en rajoute et tu descends deux. Le rêve d'une forêt. Toi tu vas bien ou quoi? Ouais. Dire que oui. Non, mais c'est fou de moi le brachiosaur là. Hein. Allez. C'est pas le bon ça. Non, c'est le tas, c'est le bon. J'y comprends pas beaucoup là-dedans. Peut-être qu'il faut supprimer les supprimer une mangeoire. Non, peut-être pas une mangeoire comme ça. Une simple mangeoire. Je sais pas, alors là... Alors là, je... Pouf. Je ne sais pas du tout. Comment ça fonctionne. Tu peux manger par hasard? Ouais. Il y a d'autres dinosaures qui sont pas contents. 86, mais d'une forêt, mais... Je vais te la faire manger la forêt, moi, si tu continues. Mais qu'une jeune joueur. Mais je t'ai pas dit d'en retirer une fois, je t'ai dit d'en rajouter. Par contre lui c'est pas bon. Ne mange pas si ça te plaît pas. Non mais il y a d'autres mangeoires, je vais pas chier à manger ça si t'aimes pas. Pareil pour toi. C'est pas comme si je te laissais pas le l'ambera du choix. Non. Par contre on vite. Je comprends pas trop les... Ah bah voilà le fond. Il a fond lui. Ah ça tombe bien. Faut juste que l'autre il se mette à bouffer. Par contre toi arrête de bouffer, ouais, tu perds de la vie, la note. D'accord. Donc l'autre... Ouais. Va manger un peu. T'as pas faim là? Si, je sais que t'as faim.
T'as pas raison, enfin. Bon, faut juste attendre qu'il mange en fait. On va attendre tout simplement qu'il mange. Non, c'est pas ça, à chaque fois je me fais avoir. Ah, je oui, ce que j'ai, à chaque fois je me fais avoir. Je vais essayer de faire ça pour aller un peu vendre. On va faire de la vente. Parce qu'on a perdu, quand même de l'argent. Paléo bouteille. D'accord. Mais qui fait mumuse là. Ils aiment bien les accusants ça. C'est quand qu'il va manger? Il va manger. C'est pas pour s'imposer. Tu vas réussir à t'imposer ou pas? On compte sur toi. On sait que tu peux le faire. Standard. On sait que tu peux le faire. You can do it. Même si en toute logique ce sera lui quand même, du niveau note. Oh bah il panique. Ah, il reste encore. C'est encore lui le king. Tu veux manger? Ah bah il est bu. Oh, tu... non. Ah bah si c'est l'autre du coup. D'accord. Du coup il... Ah ça fonctionne réellement. Bah d'accord. Au botanique, mais en fait il faudra juste se les modifier, faire en sorte qu'ils plaisent un peu à tous. Ça va pas être trop facile hein. Tant que ça baisse pas trop leur confort, ça va encore. Bon allez, pour éviter que ça fasse trop long, une petite coupure à partir de maintenant pour les quelques heures où tu peux boire. Ouais, bon, petite vraie coupure. Allez, à tout de suite. Donc c'est bon, enfin. Le haut plus céphalus veut se nourrir. Ça va pas tarder à monter. Ah bah c'est déjà monté. Et on a l'ouranosaure. Vous avez réussi. Le dinosaure semble apprécier son nouveau menu. Cela nous ouvre tant de possibilités. Créer un nouveau dinosaure par exemple. Un autre herbivore. Ouranosaurus. Faites vos recherches et incubez un œuf. Il va adorer sa nourriture. Ouais, alors comme vous avez pu voir, j'ai fermé le temps clos, parce qu'en fait, les autres dinosaures n'aimaient pas du tout les plantes botaniques, du coup je les ai même supprimées, et pour éviter qu'ils perdent de la vie, quoi, tout simplement. Donc là, il faut juste attendre un peu, si ça va remonter, pour eux. Je pourrais peut-être même leur mettre de la nourriture. J'ai remis un deuxième enclos pour être sûr que utile de perdre trop d'espèces. J'ai mis du sable autour, puis de la boue un peu à l'intérieur. Je sais pas ce que ça donne, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, je trouve. Ouais, bon. Ça c'est évident. Donc là, ils vont bien. Là, donc on va tout de suite se faire l'ouranosaure de l'espèce. Non, c'est pas ça, évidemment. Donc une nouvelle espèce de dinosaure. Il vivait en même temps que les spinosaures, je crois, l'ouranosaure. Il est là-dedans. Donc l'ouranosaure c'est un dinosaure qui est comme ça hein. Du Kemalga, c'est où ça Kemalga? Bon normalement c'est en Égypte. Ouais c'est ça, enfin en Afrique ou quoi. Car Carcharodontosaure qui vit en Égypte et le Spinosaure qui vit aussi en Égypte. Enfin, dans l'Afrique du Nord, il y avait aussi des ouranosaures, c'est pour ça. Et ils sont à fond, ils sont bien contents. Et je pourrais peut-être leur mettre des mangeurs. Ouais mais non ça risque de changer après.
Est-ce qu'on peut mettre une deuxième Oh, on peut en mettre qu'un seul en fait. Allez, enfin, on peut en mettre qu'un seul, mais pas mettre trois types de plantes pour plus tard. Là, c'est juste pour la mission, ils ont voulu tout mettre pour les Eoplocéphalus. Qui vont vachement bien là. J'espère que vous avez plus de 40%, plus de 40%, note de base, plus de 40%. C'est pas mal. Bon, avant d'avoir l'Oranosaur, je pense que cette vidéo va être assez longue comme ça. Donc on va plutôt s'y arrêter. Car sinon, ça va faire comme la vidéo numéro 1, ça va durer 3 ans. C'est pas ce que je recherche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner si c'est toujours pas déjà fait. Et il fait en sorte que le bâtiment se passe. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao ciao.